C'était un matin comme les autres, c'est-à-dire plein d'angoisse, crise de panique, sensation d'étouffement. Bref, tout allait bien comme d'hab. Mais là, je me dirige vers le garde-manger pour aller chercher des céréales. Et là, je vois par terre une trollée de fourmis qui font le va-et-vient dessous le lavabo au garde-manger. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais que ça vient, ça? C'est des fourmis. Ils vont tout envahir mon appart? Faut que j'appelle mon père. Allô, papa? Oui, j'ai une invasion de fourmis dans mon appart. Mais je sais pas, là, il doit avoir une ruche pas loin. Comment les abeilles? Mais non, c'est des fourmis. Hein? Oui, j'ai tout pris mes médicaments. Je fais quoi, là? C'est quoi ça? Un produit pour les tuer? Ok, oui. Je t'attends. Merci, père. Ok, c'est réglé. On va toutes les éliminer. C'était quoi le produit qu'il y a dit déjà? Ah oui, c'est ça. Un produit très puissant. Vous allez voir ces petits êtres vivants mourir très rapidement. Des êtres vivants. Tuer des fourmis, c'est tuer des êtres vivants. Je suis pas sûr que je peux vivre avec ça. Ok, je vais appeler Philippe. Philippe, c'est mon psy. Il s'occupe de mon cas depuis l'incident que. J'ai pas le temps de vous raconter là, mais un jour, je vous le promets. C'est pratique, on fait tout par ordi. Il m'aide beaucoup à m'en sortir. Il est pas toujours facile à rejoindre. Allô, Monsieur Philippe, c'est David. Oui, je pensais que c'était un autre David. C'est pour ça que j'ai répondu. Pardon? Ah non, non, rien, rien. Que me vaut l'honneur de ton appel aujourd'hui? J'ai une question d'ordre moral. OK, vas-y. Est-ce que une fourmi est un être vivant? Oui. Les fourmis, ce sont des animaux, et comme la plupart des animaux, ce sont des êtres vivants. Alors, si je tue une ou des fourmis, je tue un ou des êtres vivants? Et si oui, je vais avoir ça sur la conscience le reste de ma vie? Je ne suis pas sûr de te suivre, là, comme à toutes nos séances, d'ailleurs. Mais si la ruche des fourmis est pas loin et qu'elles envahissent pour l'appart, est-ce que c'est de la légitime défense? Non, non, les fourmis ne vivent pas dans les ruches. Ce sont les abeilles qui vivent dans les ruches, hein, qui font du miel. Ça n'existe pas du miel de fourmis. Qu'est-ce que je raconte? Écoute, je vais être obligé de te laisser. Il faut que je quitte pour l'Allemagne, faire des conférences. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec mes fourmis? Je laisse ça à ton bon jugement. OK? Bonne journée, là. Bon voyage. Hein? Ben, votre voyage en Allemagne. Oui, ben oui. Il faudrait bien que j'aille faire mes valises. Ça serait important. Oui? Ouais, c'est ton père. Je te laisse la canne en bas de la porte. Merci, pas. Ben? J'avais pas le choix, j'ai dû les exterminer. Est-ce que ça fait de moi un monstre? Je crois pas, non. De toute façon, j'ai jamais aimé le miel.